Bonjour, je fais cette vidéo dans le cadre du prix Libraire en scène. C'est un peu particulier de vous parler à travers cet écran, mais on remercie les moyens de communication modernes pour nous permettre de rester en contact ou d'avoir l'illusion de rester en contact. Normalement, j'aurais dû le mois prochain être dans un certain nombre de librairies à Paris, autour de Paris. Ce ne sera pas le cas. Comme beaucoup des auteurs de la liste finale des livres. En tout cas, ce que je peux dire, c'est d'une part que je suis extrêmement fière de faire partie de cette liste. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, d'aller en librairie, à la librairie des Beaux-Titres, pour parler d'Une bête au paradis. J'y avais passé une soirée absolument exquise. Et c'est un beau souvenir d'y penser actuellement. Donc je suis très contente de faire partie de cette liste parce que la librairie indépendante a toujours été le lieu où tout s'est joué pour moi depuis 10 ans. Donc de voir que les libraires continuent de me suivre, de m'aider, de m'épauler, de me porter, c'est toujours une grande surprise, une joie et une formidable tape dans le dos pour que je continue. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis... je suis aussi contente parce qu'il y a deux textes que j'ai beaucoup aimés, qui sont sortis en même temps qu'Une bête au paradis, qui sont le texte de Bérangère Cournu de Pierre Edos et le texte de Alexis Ragugno chez Vivianami, opus 77. Et j'ai vu que nous étions tous les trois eh bien, sur la ligne de départ ou d'arrivée, ça dépend comment on voit les choses. Donc je suis vraiment, vraiment contente de partager cette ligne avec eux. C'est vraiment deux très très grands textes qui, comme beaucoup de grands textes ou comme ce que moi je considère comme des beaux textes, des textes forts, vous emmènent ailleurs tout en vous apprenant beaucoup de choses sur vous et sur le monde dans lequel vous vivez. Et c'est assez rare, je crois, pour être signalé, surtout dans ce qui est écrit actuellement. Et tout d'un coup, vous voyagez dans le temps, sur la glace, dans la musique aussi, et vous sortez de ces livres en étant complètement nouveau à vous-même, ce qui est une sensation assez étrange, mais aussi très agréable et qu'on aime ressentir, je crois, à la fin d'une lecture ou d'un texte. Donc voilà, je suis très contente d'être en si bonne compagnie. Et pour parler d'Une bête au paradis, je pense que c'est... Pour ne pas trop en parler, mais quand même donner envie de le lire, ce serait peut-être, pour le résumer, une forme de Antigone, les pieds dans le lisier, voilà, les pieds dans la bouse. Disons qu'Une bête au paradis est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Blanche, qui est élevée dans une ferme, dans la ferme de sa grand-mère. Sa grand-mère s'appelle Émilienne, la ferme s'appelle Le Paradis, et elle est vouée dès son plus jeune âge à reprendre cette ferme, à tenir les rênes de cet endroit. Et cette jeune fille, cette petite fille qui va devenir une jeune fille, puis une jeune femme, puis une vieille dame, qu'on va suivre de ses 5 ans à ses 85 ans, va, au cours de cet apprentissage de la vie, de cet apprentissage des animaux, des troupeaux et des bêtes, faire l'apprentissage du chagrin réel, profond. Et il faudra qu'elle choisisse entre l'ordre naturel des choses, qui est l'ordre des animaux, l'ordre... des gestes mécaniques qu'on fait tous les jours à la ferme, et l'ordre du désir, de son désir qui va déborder d'elle-même, qui va venir tout noyer. Et il faut que Blanche tienne quand même le navire sur ces vagues et sur ce déferlement. Alors j'essaie de pas trop en dire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été marquée dans ma vie de lectrice par les textes de Marie-Hélène Lafon, par ce qu'a fait Pierre Bergoglio, par ce qu'a fait Pierre Michon. J'ai beaucoup été marquée au cinéma par les atmosphères de David Fincher, par La Nuit du Chasseur, par l'univers de Bruno Dumont aussi. Et je pense que on est des lecteurs et des lectrices avant d'être des auteurs et des autrices. Et parfois, sans le vouloir, on est extrêmement imprégné de ces références, même si elles sont là depuis plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Elle ne cesse de travailler en nous notre langage et nos images. Et je suppose que ce langage et ces images reviennent sous une forme ou une autre dans ce texte-là, dans Une bête au paradis, qui est vraiment pour moi un de mes textes les plus importants, parce que ça a été un texte qui est né dans la rupture,
professionnelle, amicale, amoureuse aussi, et qu'un texte né dans ces conditions-là puisse avoir la vie qu'il a actuellement, c'est pour moi une forme de reconnaissance absolue. Voilà, donc je m'éloigne complètement des questions qu'on m'a posées pour faire cette vidéo, j'espère que ce livre va vous plaire, j'espère qu'il vous a plu, et puis s'il vous plaît pas, j'espère que dans la liste il y en aura d'autres qui arriveront à vous sortir la tête de ce confinement si vous êtes chez vous. On m'a demandé aussi comment je vivais le confinement. Écoutez, je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance, parce que je suis chez moi à Clermont-Ferrand, que j'ai de la place dans mon appartement, et il fait beau, donc la lumière entre le matin et repart doucement le soir, elle s'attarde un peu. J'ai beaucoup de chance, j'essaye de lire, ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à faire, mais je m'y attelle chaque jour. Et puis j'écris surtout le prochain roman, donc je travaille. J'essaye de comprendre ce qui est réellement important pour moi et pour les autres, et ça prend un certain temps, et ça demande aussi de mettre un peu les pieds dans le plat ou de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et pour vos proches, et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt en librairie. Merci beaucoup.